petite question rapide. Donc, qui utilise SELinux déjà ici? Pas beaucoup. Qui utilise Puppet pour configurer? Pas beaucoup, je suis étonné. Ça veut dire que tout le reste utilise quoi? Ansible? Chef. C'est Ansible? BCFG2. Pardon? Rien. Le reste, oui, qu'est-ce que vous utilisez? Non? Bash! Oula, Bash! Bash! Oui, ça c'était dans les années 90, on faisait des SSH loop et on faisait des scripts bash, oui. Entre temps, le configuration management nous est le cas de beaucoup. Donc, je vais parler plutôt de cet aspect-là, parce que Mickaël a fait une super intro tantôt sur SELinux, etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus, bien que j'avais quelques slides qui en reparlaient, mais bon, on va revenir sur ce que Mickaël a déjà présenté. Je vais peut-être vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris sa présentation, par contre. On va parler plutôt de l'interaction avec nos outils de configuration management à l'heure actuelle. Puppet, je vais couvrir personnellement Puppet et Chef. Puppet parce que c'est ce qu'on utilise au sein de l'infrastructure CentOS. Non, pas Chef, mais Ansible parce que c'est ce que j'aime. Je ne vais pas couvrir Chef parce que là je ne le connais pas. Mais les principes que je vais expliquer ici restent de toute façon totalement applicables quel que soit le système de configuration management. Ça peut être Chef, ça peut être CF Engine, si y a encore des gens qui utilisent ça, si ce n'est pas totalement mort, BCF Engine 2, enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Donc, premier slide, ça je crois que vous le connaissez déjà. Vu qu'on va parler très très rapidement des SELinux parce que ça a déjà été fait. Et plutôt comment on va pouvoir utiliser notre outil de configuration management pour modifier à la volée ce qui est intéressant. Alors ce petit slide-là, je trouve que c'est, ça résume un petit peu la présentation de Mickaël. Est-ce que c'est SELinux, c'est bien? Oui, mais c'est pas lui qui va juste vous protéger. Par contre, imaginez qu'un seul des autres critères de votre sécurité est suffisant, ça n'est jamais vraiment plus. Par exemple, historiquement, dans une de mes vies antérieures, j'ai eu à débattre avec des gens qui s'imaginaient que la sécurité de leur réseau, c'était la longueur et la complexité de leur mot de passe sur un système IBM AS400. Uniquement, le reste n'avait aucune importance. Et il était fortement déçu de voir qu'avec Wireshark, tout passait en clair. Mais pour lui, son réseau était secure. Donc, cette phrase-là, la sécurité est un ensemble, c'est une chaîne. Et donc votre sécurité globale est aussi forte que le plus faible des maillons de la chaîne. Très important à retenir. SELinux n'est pas la solution, mais c'est un des maillons de la chaîne que vous pouvez mettre en place pour activer, pour mettre des couches de sécurité supplémentaires. Alors ça, je crois que tout le monde se rappelle, c'est les fameux keywords qu'on va utiliser. Discretionary Access Control List, Mandatory Access Control List. Très important. Le label, les contextes, s'il y a quelque chose à retenir de la présentation SELinux de Mickaël, c'était le contexte, il aurait peut-être dû le mettre dans chaque slide, je pense. Disable mode, je ne veux pas voir utiliser ça. Permissive ou enable, alors on parlait tout à l'heure de notre truc, le MLS, targeted. Alors quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, parce que les gens qui n'utilisent pas SELinux, petite question rapide, pourquoi vous n'utilisez pas SELinux? Parce que c'est pas dispo sur Windows. Parce que c'est pas dispo sur Windows, c'est une bonne réponse. Parce que toute l'équipe ne sait pas s'en servir. Parce que l'équipe ne sait pas s'en servir. Parce que. Oui, mais OVH, c'était un mauvais élève. OVH ne vous fournit jamais une machine CentOS. Je me suis battu avec eux. OVH vous fournit un kernel AE qui n'est pas le kernel CentOS, qui est donc un GRSec, qui donc pour moi n'est pas. Ils vous mentent. Littéralement, ils vous mentent. Ils ne vous fournissent pas une CentOS. De toute façon, jamais. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc on oublie OVH, mauvais exemple. Je parle sur les machines que vous gérez, que vous déployez vous-même, propre, clean, à partir de Kickstarter. La plupart du temps où je pose la question pourquoi vous n'utilisez pas SELinux, les gens disent parce qu'on m'a dit que ça pourrait bloquer mes applications. Voire pire, parce que j'ai lu que dans la documentation du logiciel WebSphere d'IBM, la première instruction avant d'installer c'est couper SELinux. Oui, mais c'est pas parce que IBM dit que vous jetez dans le canal que vous allez le faire. La plupart du temps c'est par méconnaissance simplement du produit. Oui, Dave. Je peux dire parce que ça m'a empêché de faire quelque chose et la seule façon que j'ai trouvé pour contourner, c'était Votre réponse rapide, parce que simple, je voulais faire quelque chose d'un peu bizarre, et SELinux n'était pas d'accord avec moi, et m'a bloqué. Mais ça, c'est vrai que c'est la réponse classique. Mais c'est parce qu'on ne connaît peut-être pas simplement comment fonctionne SELinux à la base, derrière. Donc, quelque chose de très important, alors je parle surtout pour justement les gens qui développent eux-mêmes leur application. Disent, j'ai pas envie de m'amuser à écrire des règles, etc. Ça va me bloquer. En mode targeted, chaque process est identifié, comme avec Mickaël, avec un label. Ce qui veut dire que uniquement ces process vont tourner en mode
confiné. Donc tout ce que SE Linux ne connaît pas va tourner unconfined. Donc, autrement dit, en mode targeting, il ne va cibler que des process par défaut connus, SSHD évidemment, HTTP qui est le numéro 1 qu'on va devoir confiner, etc. Si vous avez votre propre application, voire même une application commerciale que vous avez installée sur une Red Hat Enterprise ou sur un CentOS, la policy SE Linux ne le connaît pas, donc ne va pas l'empêcher de faire quoi que ce soit puisque c'est inconnu. Ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas souvent. Donc on dit on désactive parce qu'on a peur que. Ben non, n'ayez pas peur parce que justement, s'il ne vous connaît pas, il ne vous bloquera pas. Alors, la petite commande que Michael a donnée tout à l'heure, je vais juste revenir sur la différence entre change context et restore context pour voir si quelqu'un a bien suivi la présentation de Michael. Pour ça, je mets les points à la fin. La différence entre le change context et le restore context. C'est important parce que quand on va parler de la manière dont Puppet ou Ansible gère ça, on va voir quelles variantes ils utilisent, comment ils le font. Toi, tu connais déjà, tu étais à la présentation la semaine passée. Oui, bah, c'est facile. The restore con, c'est 10 lettres et CH con, c'est 5 lettres. J'aime ce type. Il faut travailler avec lui pour aimer Michael. Quand on le fait, c'est vraiment sympa. Restore con, c'est par rapport à la conf qu'il y a. C'est-à-dire que si on l'a labellé, si on l'a changé son contexte avec CHCon, si on fait un restore con derrière, ça va remettre le contexte par défaut. Très bien, voilà, c'est quelque chose à comprendre. Les VM aussi, les contextes restent sur des fichiers, après la CD, ils remettent le contexte. Donc un restore con, CHCon, en fait, il faut savoir que les fameux labels dont on parlait tout à l'heure, les contextes au niveau du file system, par exemple, ils sont stockés où? Quand vous faites par exemple un ls-z, il vous les affiche, où est-ce qu'ils sont stockés? Ils sont simplement stockés dans les extended attributes sur votre file system. C'est là qu'ils sont, tout simplement. Quand vous faites un change context, vous êtes dans le file system et vous vous dites, maintenant ce fichier-là, cet inode-là, ce directory, pouf, il est dans tel contexte. Mais vous n'avez toujours pas appris à SE Linux qu'il devrait utiliser un autre contexte que celui que vous avez forcé. Pour ça, vous avez besoin d'utiliser smanage-fcontext pour lui dire, je rajoute ce contexte-là dans ce que SE Linux connaît par défaut. Et si je dois faire un relabel complet de mon file system, si je dois rechanger, je dois faire un restore context, ben il le saura. Si vous donnez un poisson à un homme, il mangera une journée. Si vous lui apprenez à pêcher, il mangera toute sa vie. Cette règle est valable pour ces deux commandes-là. C'est exactement le principe. Et vous allez qu'elles sont importantes parce que, pour moi, la manière dont Puppet le gère, c'est pas bien. La manière dont Ansible le gère, c'est toujours pas bien non plus. Donc on va revenir un petit peu sur quelques outils. Cet outil, SEManage, qui vient de PolicyCore, Util, Python. Vous devez l'utiliser. SEManage est vraiment votre outil principal, votre couteau suisse pour batailler un petit peu avec SE Linux quand on a la sensation qu'il nous prend la gorge. SE Alert aussi du package SE Troubleshoot Server dont Michael a parlé. Audit2Wide, Audit2Allow, certains l'un, d'autres pas. Ils ont le mérite d'exister pour pouvoir nous aider. On va voir que parfois ils nous donnent un peu de manière un peu détournée de faire ce qu'ils pensent serait correct. On a un exemple tout à l'heure. Et les boulets. Les booleans, on va y venir après. SEManage gère les booleans, gère les contextes, gère les portes également, parce que les portes sont en niveau socket, sont avec un label et donc parfois sont permises ou pas pour un process particulier. SEModule aussi. Le SEModule, si on veut builder, et ça je vais y venir après, comment on peut builder soi-même justement sa propre policy, son propre custom SE Linux module qu'on va utiliser sur la machine et comment le déployer avec justement le prochain directory. Alors ça, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, je ne suis pas censé donner deux fois une présentation avec ce même slide, donc voilà, vous connaissez. L'idée c'est qu'évidemment il faut tester avant de déployer. Alors comment on va gérer l'état main de SE Linux sur la machine? Ça c'est vraiment le B.A.B.A. Par défaut, quand vous installez une CentOS, une Red Hat Enterprise, SE Linux est actif. Vous n'avez même plus le petit menu déroulant pour le désactiver, non, il est de base actif, si vous le faites en manuel. Si vous le faites en Kickstart, vous pouvez spécifier au Kickstart que SE Linux doit être désactivé, mais je sais bien que vous êtes des gens sérieux et que vous ne faites pas ça. Vous avez tous SE Linux qui tourne au minimum en mode permissive, donc qui log toutes les audits de SE Linux. Si vous voulez changer ça au niveau de votre configuration à la volée, dans Puppet, vous savez qu'il y a toutes des ressources type qui existent dans Puppet. Étrangement, Puppet n'en a pas pour manager l'état de SE Linux lui-même. Il en a pour manager d'autres choses pour SE Linux, mais pas le fait que SE Linux soit actif. Donc ça, vous pouvez le faire avec un template RB standard, puisque le fichier de configuration, c'est etc, sysconfig, et c'est Linux. Donc vous pouvez le faire avec un template. On peut le faire de l'autre manière avec OGS. OGS a les lens pour modifier directement dans le contexte de ce fichier eh bien,
le fait de mettre en enforcing mode, donc vous allez tous copier tout ça et le mettre dans votre configuration management pour demain. Ou alors évidemment utiliser un exercice resource type pour jouer avec la fameuse commande setEnforce 1 ou 0 si on veut le passer en mode permissif ou bien le passer en mode enforcing. Alors comment on le fait avec Ansible pour ceux qui connaissent Ansible? Première remarque hyper importante, si d'ailleurs vous essayez de manager quelque chose au niveau Linux avec Ansible, vous allez voir que par défaut il va vous crier à la tête qu'il vous manque quelque chose. C'est un de mes commits parce que j'en avais assez qu'il manque, il manque quelque chose. La force d'Ansible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est un outil de configuration management qui n'a pas besoin d'agent sur les machines qu'il contrôle, contrairement à Puppet qui a besoin évidemment d'un agent Puppet qui tourne. Le seul prérequis, c'est Python de l'autre côté. Python 2.4 avec le module Python SimpleJSON ou Python 2.6. Par contre, si vous voulez qu'Ansible manage correctement SELinux sur les machines managées, il vous faut absolument installer ce package-là, libSELinux Python. Alors, la remarque est valable pour Ansible, elle est valable également pour Puppet. Sauf que pour Puppet, personne d'entre vous n'a à le faire parce que c'est une hard dependency au niveau du spec file du RPM de Puppet Agent. Quand vous installez Puppet Agent, évidemment, il n'installe pas libSELinux Python, mais libSELinux Ruby. Évidemment, puisque Puppet est en Ruby. Une fois que vous avez ce module qui est installé, ce package qui est installé sur votre CentOS, Red Hat, Fedora également, vous êtes à même de pouvoir configurer la machine et Ansible a un module pour SELinux pour dire, très simple, le contenu du fichier, SELinux, policy targeted, state enforcing. Et il vérifie que la machine est bien dans l'état que vous voulez qu'elle soit. On peut faire comme avec la mode Puppet également, sauf qu'on va utiliser le module shell ou le module command pour utiliser la commande setEnforce en background pour pouvoir mettre la machine dans l'état souhaité. Alors les contextes. Puppet a un file resource, dans le file resource par exemple, tout le monde connaît, tout le monde voit ce que ça fait en Puppet. Je vais copier ce fichier là de mon module sur mon Puppet Master 10, sur cette machine là, à cet endroit là, tel mode. Il y a un petit attribut supplémentaire, SLType. Donc pour ceux qui connaissent SELinux par exemple, bien vous savez que tout est contexte. Le contexte HTTPD underscore user underscore script underscore exec underscore t est un de ceux que vous pouvez mettre sur. Par exemple, en l'occurrence, c'est un horrible script qui doit tourner. Si vous le laissez par défaut dans le HTTPD underscore user underscore. Pardon, HTTPD underscore stigs underscore content underscore t, Apache ne pourra pas l'exécuter. Donc, obligatoirement, je vais simplement lui spécifier ça. Et mon configuration management va s'assurer qu'il tourne correctement, qu'il est dans le bon mode. Par défaut, Puppet va toujours interroger cette fameuse, on va dire, base de données qui se trouve dans ETC, SELinux, targeted fcontext, et vous avez toute une série de fichiers qui contiennent les défauts pour tout votre file system. Donc il va essayer d'utiliser cela. Mais moi j'ai juste un problème avec ce mode-là. Parce que je parlais tout à l'heure de la différence entre, et c'est pour voir si vous suivez bien, entre change context et restore context. On va lui donner la définition tout à l'heure. D'après vous, qu'est-ce que Puppet fait derrière? Il fait juste un change context. Alors, sur le moment, c'est bien, parce que là, sur le moment même, tout comme un change context, c'est correct. Mais le problème, c'est que si vous avez une update de package qui nécessite un relabel, parce que vous avez des nouveaux contextes qui arrivent, parfois ça arrive dans les policies, vous faites un relabel de votre système, vous redémarrez par exemple votre machine, il fait le relabel, vous devez attendre 30 minutes avant que Puppet, si vous avez laissé ça par défaut, avant que Puppet remette le contexte que vous avez spécifié dans votre manifeste, dans votre module. Alors que si en arrière-plan, vous aviez dit à SELinux que vous vouliez avoir par défaut toujours ce label, ce contexte, et il l'aurait fait automatiquement pour vous lors du restore con et du relabel de votre système. Donc pour moi, c'est une solution, mais elle n'est pas complète. Il faut la coupler avec par exemple, un exec, une ressource exec, qui va rajouter le file context avec SEManage pour inscrire également SELinux du changement que vous avez fait à partir de Puppet. Très important. Si pour une raison totalement incongrue, vous avez envie de faire l'inverse, parce que par défaut, Puppet, même si vous ne spécifiez pas, un exemple classique, vous avez Puppet, que vous poussez Puppet, poussez vos clés avec Puppet, avec le module Authorize Key, vous n'avez pas à le spécifier, Puppet le fait correctement, parce qu'il le voit. Donc ça, il le sait, il le fait correctement. Si vous voulez, par exemple, inversement qu'il ignore, vous avez cette possibilité-là, du file resource, pour éviter par exemple que Puppet ne rechange après, la deuxième fois qu'il tourne, le contexte sur le fichier qu'il veut générer.
Main de remarque pour Ansible, par défaut, il va essayer d'utiliser les contextes corrects. Il va interroger l'équivalent de la base de données C Linux pour savoir quels sont les contextes par défaut. Il peut, de la même manière que Puppet, utiliser par exemple SOtype. Je dis que voilà, ici en l'occurrence, c'est public content on read write. Mais même remarque pour Ansible, il ne rajoute pas ce contexte dans les modules par défaut de SOtype. Donc il fait l'équivalent d'un change context mais pas un restore context. Ou plutôt d'un smanage fcontext add. On parlait des booleans. Vous connaissez les booleans, vous savez à quoi elles servent. Il y a tout à fait très simple pour activer, désactiver à la volée quelque chose sur votre serveur. Par exemple, par défaut, Apache ne peut pas parler à un serveur MySQL. Il ne peut pas se connecter à un socket réseau sur notre machine. Quand la CLU est actif. Mais c'est une booléenne à tourner, à activer simplement, on dit non, tu peux. Donc on n'a pas besoin d'écrire quelque chose de très compliqué, il suffit de dire tu peux le faire. En l'occurrence ici, c'est quoi? C'est le HTTPD enable on dir. Pour dire par exemple que nos utilisateurs vont pouvoir avoir un répertoire public HTML dans lequel ils vont mettre les infos. Par défaut, Apache refuserait d'aller lire à cet endroit-là. La CLU va refuser Apache. Petite simplement remarque, au niveau facteur, quand vous lancez facteur, vous avez toute une série de facts que vous allez utiliser. Vérifiez quand même que CLinux est bien activé sur la machine, parce que si vous essayez d'activer une booléenne sur un système qui est en mode disable, il va crier au scandale et dire non, c'est pas bien, vous êtes toujours en erreur. Alors soit vous tenez en mode classique Puppet, ancienne méthode, vous n'avez pas de report, vous n'avez pas de dashboard, vous n'utilisez pas Forman ou un autre dashboard Puppet, et alors là vous ne le savez pas, soit vous avez ce genre d'outil et vous le voyez aussi. Mais le mieux c'est de le corriger directement dans vos manifestes, dans vos modules. Même chose pour Ansible. Le module existe, hein, SE Boolean. La même exemple qu'avant, la syntaxe Ansible, tout le monde la comprend, elle est très simple à comprendre. Alors, une petite note également, on a parlé des portes. Par défaut, par exemple, HTTPD est un ensemble de portes sur lesquelles il est autorisé à écouter. 80, évidemment, est dans la liste. 443, ce genre de choses. Imaginons que vous vouliez autoriser un de vos process à écouter sur un port qui n'est pas autorisé par défaut. Puppet n'a pas de ressources pour cela, pas encore en tout cas. Mais vous pouvez toujours utiliser cette fameuse commande, donc je vous ai dit, elle revient tout le temps, smanage. Donc en gros, on va simplement dire, rajoute-moi ce port, ce contexte, pour ce process, à moins qu'il soit évidemment déjà connu et autorisé. En général, quand... les gens qui ont l'habitude de faire du Puppet voient qu'on utilise des ressources exactes, ils crient au scandale. Tout le monde voudrait voir cette ressource pas utilisée. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai donné cette présentation en face de quelqu'un chez Puppet Labs la semaine passée, et il ignorait qu'en fait Puppet ne faisait pas correctement, et m'a dit, mais je vais devoir retravailler là-dessus parce que je ne savais pas qu'on ne faisait pas ça correctement. Donc ils vont essayer de corriger ça, et peut-être que ce slide sera obsolète dans quelques temps. Même chose pour Ansible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement, on a le module shell, où on va tout simplement vérifier d'abord que par exemple, en l'occurrence, je voudrais que Apache puisse écouter sur le port 8082, qui est par définition interdit. Je vais l'enregistrer dans une variable. On va simplement après reparser pour voir si effectivement il était connu ou pas. Et sinon, on rajoute la commande, la porte. Jusque-là, rien de compliqué, je pense. Tout le monde comprend, tout le monde suit. Ou je refais le coup du tout. Non, ça va. Mais voilà, parfois c'est bien, Puppet, Ansible peuvent manager des aspects de SE Linux. Mais dans un monde idéal, on devrait s'en tenir à ce slide-ci. Malheureusement, j'ai d'autres slides. Parce que dans la vraie vie, des choses arrivent. Par exemple, je suis un fervent défenseur du configuration management et de SE Linux. Mais j'ai moi-même été mordu. Récemment, lors de passage de la 6.4 à la 6.5. Pourquoi toutes les machines, je me suis levé le matin et je vois on utilise Abix pour monitorer l'ensemble du parc CentOS.org. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, soi-disant toutes les machines CentOS.org, en fait, avaient un gros souci parce que plus rien ne fonctionnait. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment lourd. Ça. Tout avait l'air de tourner. Donc, false positive. Qu'est-ce qui se passe? Abix ne monitore plus correctement l'état de la machine. Étrange. On se met sur une machine et je vois que tout d'un coup, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le mode comfile et le comfile, ce qui est connu, un process qui est connu et qui est identifié par les policiers C Linux va être confiné,
Celui qui ne l'est pas, qui est lancé par initRC, va se retrouver dans le type initRC underscore T et va tourner unconfined. Ça, c'est bien. Mais si quelqu'un décide, comme c'était le cas par exemple pour la Red Hat 6.5, de backporter des policies dans SLinux pour Fedora, et que tout d'un coup, même pour un package qui n'est pas dans Red Hat Enterprise, on se retrouve avec un Zabbix underscore agent underscore T, mon process était tout d'un coup devenu confined. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous confinez un process de monitoring? Ben, il n'était plus autorisé à monitorer vraiment l'état de ma machine. Et donc j'avais plein de false positives. C'était l'erreur. Donc la bonne chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Ça? Non. On est plus intelligent que ça. On est des sysadmins, on doit prouver qu'on est là pour une raison. On ne joue pas avec la sécurité, donc non, c'est pas une bonne raison pour désactiver SLinux. Bien essayé. Deuxième chose, passer en mode permissif. Ça va solutionner mon problème temporairement, c'est vrai. C'est bien. C'est mieux que de désactiver tout. Mais ça serait encore mieux si on faisait quelque chose d'un peu plus intelligent. Et Mickaël vous en a déjà parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas bien, c'est pour ça que je vais insister quand même là-dessus. C'est confiner, c'est juste laisser la machine en mode enforcing, et juste le process qui me pose problème, je vais temporairement le faire tourner en mode unconfined. Comme ça, je n'expose pas toute ma machine, juste le process, en l'occurrence Zabbix, je l'ai mis temporairement en mode unconfined, pour qu'il continue à tourner comme il était avant, et que je puisse voir quel est le problème et comment trouver la solution au niveau des SLinux. Donc ça, c'est quelque chose à utiliser. La commande, elle se manage permissive, et je rajoute en mode permissive le fameux contexte dont je parlais tout à l'heure, Zabbix underscore agent underscore T. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir qui existe, parce que ça peut tout simplement vous sauver votre machine. Donc ça, vous ne mettez que ce process en mode unconfined. Alors commence après l'épisode glorieux. Je vais commencer à regarder ce que je dois faire. En gros, puisqu'il y a le policier là, je dois autoriser ce qui ne l'est pas. Alors quelqu'un m'a dit, c'est facile, puisque la nouvelle policy avait été introduite par le package SE Linux Policy Targeted. Il suffisait de faire un downgrade du package. Oui, sauf que si vous avez des nouveaux file context qui sont dessus, si vous redescendez de policy, automatiquement vous retrouvez des file context sur le file system qui ne sont plus connus par le SE Linux. Donc le mieux, c'est évidemment de corriger ça dans la version actuelle. Donc on va analyser, on va auditer, on va compiler une policy nous-mêmes, et puis on va la distribuer. Alors, qui a déjà buildé une custom SLinux policy ici? 1, 2, 3, 4, pas beaucoup. Alors, soit c'est que tout le reste tourne en mode disable, soit vous avez beaucoup de chance que vous êtes très très standard par rapport à l'endroit où vous mettez vos packages. Alors, la plupart du temps, on revient avec le SE Alert dont on parlait tout à l'heure. SE Alert est un outil qui peut vous aider en vous disant, tiens, je fais un SE Alert-A sur mon audit log, il va me dire, voilà, tu devrais peut-être changer ceci ou faire cela. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave, passe tout le audit log à la moulinette de audit to allo, et allo, il vous sort une belle grosse policy et il vous dit la commande SE module-i fichier, enfin, mybeautifulpolicy.app. La plupart du temps, cette solution n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que parfois, c'est tout simplement un contexte qui est mal utilisé. Je prends l'exemple typique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau des machines QA, en process CentOS, bien, on installe à partir de cette admin node en HTTP, en NFS et en FTP. Est-ce que quelqu'un a déjà le problème qu'il y a? HTTP, FTP, NFS qui doivent accéder le même repository sur le même file system, mais évidemment pas avec le même contexte. Alors évidemment, si je le mets avec le fameux contexte HTTP underscore 6 underscore content, Apache sera content, mais pas les deux autres. Alors si vous utilisez par exemple le fameux outil avec le audit to allow, et vous dire, c'est pas grave, vous devez faire le NFS type, le VSFTP. Une commande suffit simplement à changer ça. Il y a un ensemble de file context qui sont autorisés par plusieurs process. Vous avez par exemple le public underscore content underscore T. C'est un type au niveau du file system qui permet d'être accédé par Apache, par NFS et par FTP. Donc avec une seule commande, on solutionne le problème que audit to allow, audit to while vous aurez donné un module à compiler alors que c'est pas nécessaire. Donc, faites des reviews quand même, essayez de comprendre ce qu'ils vous proposent. Ne pas appliquer en mode aveugle. Ne pas aller sur Stack Overflow, faire un copier-coller, je suis root, clac, oh, j'ai cassé ma machine. Donc on essaie quand même de voir. Mais parfois c'est vraiment nécessaire. Dans l'exemple que je citais avec Zabbix underscore agent underscore T,
je n'avais pas d'autre choix que builder vraiment moi-même une customisation Linux Policy. Donc, comment le faire? De préférence, c'est comme pour tout, on va essayer de faire ça sur une machine la plus propre possible, qui correspond le plus à notre environnement de production. Donc on va le mettre dans un environnement de test et de développement, mais on a des kickstarts pour faire ça pour nous, donc on est sûr que la machine correspond à 100% des deux côtés. On va quand même essayer d'utiliser ces outils, on va voir ce qu'ils vont faire, mais on ne va pas utiliser Audit2Allo. Audit2Allo a deux modes, enfin plusieurs modes, mais de manière basique, il y en a un qui est le -m en majuscule et l'autre est -m en minuscule. Un des deux va simplement vous dire j'analyse votre fichier log pour vous et je vous compile un fichier pp derrière automatiquement, sans rien vous demander. C'est bien, mais moi je préfère voir la source de ce qu'il va compiler derrière pour m'assurer qu'il ne laisse pas passer certaines choses. Donc, idéalement, avant de compiler un fichier .pp, qui n'a rien à voir avec les manifestes Puppet, malheureusement, vous pouvez produire un fichier .te et alors un fc si vous avez les files dans le texte. La bonne pratique, évidemment, c'est, puisque vous en développant par exemple stock tout dans un environnement centralisé, au niveau d'un configuration management, qu'est-ce que vous faites? Vous stockez tout dans un outil tel que Git, Subversion ou autre, peu importe. La bonne pratique, c'est de, lorsqu'on va distribuer ce fichier via le truc configuration management, on va évidemment distribuer le binaire qui va être chargé partout. Par contre, on va aussi stocker le type enforcement pour que d'autres collègues, d'autres personnes avec qui on travaille puissent au moins revoir ce qu'on a fait et puis au moins puissent, le cas échéant, modifier cette policy dans le futur parce qu'évidemment, elle s'incrémente avec des numéros, etc. Donc très important, évidemment, de ne pas dire j'ai fait sur la machine, j'efface la machine et puis je n'ai plus que le fichier pp, on garde l'ensemble. On le build et puis évidemment, ben, test, on rince, on recommence jusqu'au moment où on est content et que notre application fonctionne dans tous les sens. Pardon ? Sont deux outils qui, l'audit2y va simplement ne va rien compiler, ne va rien proposer, il va juste peut-être donner des pistes de solutions du style j'ai bloqué parce que. Donc par exemple tout à l'heure Mickaël nous a montré ce qu'on avait dans l'audit log avec le timestamp, etc. C'est la donnée brute. Et ce alerte, par exemple, va déjà nous donner une manière beaucoup plus simple de comprendre. Audit2y est un des autres outils que l'on peut utiliser pour parser quelque part de manière plus humaine ce que SFLux a logué dans l'audit.log. Audit2allo va lui faire la même chose, sauf qu'il va nous proposer aussi de faire le type en français. Ça permet de faire l'auto-apprentissage, en fait, et de générer automatiquement avec le risque qui se trouve. Oui. Ouais. Au moins, ça permet de simplifier beaucoup la partie mise en place de l'audit.log. C'est le but, c'est qu'on le fasse sur une machine où justement on va essayer de jouer tous nos tests unitaires par rapport à l'application. Parce que c'est un petit peu comme du temps, enfin moi je me rappelle, au tout début du networking sur le checkpoint, les gens s'amusaient à mettre à jour un checkpoint quand ils ne savaient pas ce qu'il fallait ouvrir dans un environnement. C'était, bon je vais mettre en mode learning mode, c'est-à-dire que je ne vais rien bloquer, je vais voir le trafic, de ça je vais analyser ce qui normalement devrait passer. Et puis après je vais mettre ça en mode enforcing, je vais bloquer, parce que là je suis certain que normalement j'ai testé tout ce qui devait passer entre machine A, B, etc. C'est un peu la même logique, sauf qu'on fait ça au niveau software, au niveau de la machine, mais c'est ça. On pourrait considérer le mode permissive un peu comme un mode learning, où il va auditer, il va mettre tout ce qu'il aurait bloqué, et puis ensuite on va produire vraiment les règles qu'on va mettre en mode enforcing pour vraiment bloquer à partir de ce moment-là ce qui n'aurait pas été permis. En l'occurrence, on va tout faire l'inverse, parce que quand on va builder une custom SNUX policy, c'est souvent parce qu'on a besoin d'ouvrir quelque chose que SNUX a bloqué. On peut le faire dans l'autre sens aussi, alors ça devient déjà un peu plus tendu, on se rapproche déjà un peu plus du mode MLS, multi-layer security, là on est en mode un peu paramétrique. Si déjà les gens pouvaient commencer ne fût-ce qu'à suivre cela, on aurait déjà beaucoup plus de gens qui pourraient dire « c'est logique, c'est bien, je continue à l'utiliser ». Moi ça m'est arrivé que dans audit.log, par contre, il ne marque pas, qu'il bloque avec les trucs par défaut, il ne marque pas. Je suis obligé de passer avec ce module -d -b. Oui, parce qu'il y a des trucs là, qui. Il va loguer tout. Et oui, là, parce que par défaut, il y a des choses en fait qui sont en don't audit. Oui, voilà. Donc on peut leur passer à l'autre sens pour vraiment leur mettre vraiment en mode. Je suis certain que là, ils me crachent tout dans mon log. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'un denial of service possible avec SNUX, il loguerait tout. Par défaut, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se mettent en don't audit, donc ils ne loguent pas. Mais par contre, on peut le passer à ce moment-là, typiquement sur une machine comme ça, le développement, voilà, de débugger, de voir, et puis on passe, on limite sa custom SNUX policy.
Ben, en gros, voilà, c'était, c'est ce que je voulais dire avant. La manière un peu très simple de vraiment voir un petit peu le fameux fichier TE, comprendre un petit peu comment il fonctionne, ce qu'il va faire. En gros, c'est facile, c'est des labels, des contextes, des types. J'autorise aussi à faire cela sur le file system, par exemple. Une fois que ça me semble correct, on va habiliter simplement le fichier pp, très simple, en une seule commande. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce fichier SNLux, cette custom policy? Bien, soit on va faire sur la machine en elle-même smodule-i et mypolicy par pp, par exemple, c'est bien, mais ça solutionne le problème sur une machine. Donc maintenant, on va se servir de l'outil de configuration management, quel qu'il soit, parce que l'idée reste la même, pour distribuer ces fichiers-là et les recharger partout. Alors on va voir comment on va faire dans un premier temps avec. Avant on complète Ansible, quelque chose d'important, c'est où distribuer le fichier. Alors, je sais bien que ça semble un peu bizarre, mais ma recommandation, c'est de stocker, de toujours les stocker à un endroit bien précis. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être /etc, /slinux, /mycustompolicy, ou le nom de votre société, peu importe. Surtout très important, quelqu'un m'a dit, mais j'ai essayé une fois de mettre un fichier pp ici à cet endroit-là, parce qu'il voit qu'il y en avait d'autres. Le problème, c'est que ce répertoire-là, etc, slinux, target, et tout ce qui est en dessous, c'est quelque chose qui est éphémère. Quand vous rebuildez, quand vous reloadez des modules, des booléens, tout ça s'efface et se recrée. Donc ne distribuez pas votre fichier là, parce qu'évidemment il va tout effacer et tout recréer. Oui, si on considère qu'on distribue avec un package, on est censé le distribuer. Pardon ? Peut-être que la réponse est dans les docs. Dans les packaging guidelines, on explique ça. Maintenant, la plupart du temps, le problème est inverse. Si on suit les packaging guidelines de Fedora, en général, on va stocker nos fichiers à un endroit où ils ont déjà le bon contexte pour être accédés par telle application, par exemple. Donc on prend le problème à l'envers. Jusque maintenant, je ne pense pas, Michael, je ne pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de packages RPM qui viennent avec leur propre custom policy module. Parce que par définition, tout le monde essaie de travailler le jeu upstream, donc tout le monde essaie de faire en sorte que son application soit dans le SLinux policy targeted RPM. Donc que cette policy-là couvre tout l'ensemble des packages. Surtout que Danwool, l'équipe SLinux, pas forcément Danwool, chez Danwool. Quand on soumet une requête, voilà, j'ai telle application qui a besoin de telle chose, en général, ils sont relativement réactifs et ils intègrent. Moi, j'ai des applications qui ont intégré leur policy à un moment donné. J'avais un fameux Qs PDF, je sais pas si quelque chose. Oui, je t'en ai. Et Qs PDF, il avait sa propre policy. Et en fait, c'est con parce qu'il suffisait de demander et la policy a été intégrée et donc maintenant, il n'y a plus de policy. C'est avec Oracle. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de retrouver un maximum de process connus par la policy de base. Comme ça, on n'a pas besoin de jouer. C'est mieux de upstream. Mais par exemple, on est packager, bien, on va simplement s'assurer qu'on suit les packaging guidelines et on va donc essayer d'interagir avec cette communauté upstream et SLinux pour que notre process soit connu dans la policy par défaut. En fait, comme ça, elle se retrouvera un peu partout. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a la policy qui est développée par une boîte qui s'appelle Tresis, qui accepte visiblement pas les contributions à la vitesse où on arrive à les produire chez Red Hat. Et donc du coup, il y a la policy faite par Red Hat, qui est relativement à jour, et qui diverge fortement par rapport à celle qui est upstream, qui se retrouve ensuite chez Debian et chez Gentoo, qui lag énormément. Ouais. C'est encore le fait que personne sait c'est relativement mal documenté dans le sens où c'est quelque part sur un Git. Le Git qui est pas facile à trouver. Qui est pas facile à trouver. Parce que quand on tape SE Linux Git, on tombe sur le code de SE Linux, mais pas sur la policy. Et ils ont fait un truc totalement dégueu. J'ai découvert ça il y a 2 ans, je me suis toujours pas remis, où ils ont le code dans une branche et un code totalement différent dans une deuxième branche Git. Donc pour les gens qui ont déjà fait du Git, c'est juste horrible. C'est comme stocker 2 projets différents dans le même subversion, ou des trucs moches comme ça. Et donc voilà. Et il y a 10 paquets qui ont leur propre policy SE Linux, soit sur une Fedora. Sur Fedora, oui. Je vais les compter. J'ai une question. Vous avez déjà utilisé ce genre de déploiement de policy dans des contextes PCI certifiés? Dans les contextes quoi? PCI DSS, c'est ça? Ouais. Non, j'en ai pas eu à le faire dans ma vie de consultant passée. Parce que par définition, le genre d'application qui était déployée, je veux simplement qu'elle soit au bon endroit. Parce que comme je disais, par défaut, il y a des contextes. Le contexte, par exemple, que Michael a montré tout à l'heure pour l'application web, peu importe ce que l'on va mettre en dessous de var www.html, aura par défaut, et ça va être récursif, donc tout ce qu'on va créer en dessous va hériter de ce qu'il y a au-dessus, du bon contexte.
Ce n'est que dans le cas où on va avoir une application, on va faire tourner un Apache et on va vouloir accéder à des applications ou d'autres fichiers sur le file system qui sont dans le bon endroit. Donc là, c'est à nous de jouer le jeu et de dire non, non. Parce que sinon, on doit justement écrire ce genre à maintenir les custom SDX policy, c'est plus facile si tout de suite vous mettez vos applications au bon endroit. C'est un petit peu, sinon, le réflexe, j'ai eu cette analogie avec quelqu'un lors de l'install pour des machines relatives précises pour PCI DSS. C'est un petit peu comme de dire non, mais moi je les veux là. Oui, mais là on va devoir maintenir. Si vous les mettiez là, ce serait quand même plus facile. C'est aussi bête que de dire non, mais moi j'aime bien, je voulais que mon frein à main fait. C'est plus compliqué, tout le monde peut le faire, mais je vois pas l'intérêt. Donc si on peut simplement tout le monde travailler ensemble pour dire non, on défait le frein à main, on accélère, on avance. Et si on met notre application et qu'on a le bon contexte et c'est Linux sur la bonne machine, ça va tourner de base. C'est plutôt ce qu'on essaie de faire plutôt que. Les custom SDX modules sont plutôt des cas d'urgence. Lorsqu'on a effectivement vraiment la policy de base qui pour moi est un problème. C'est-à-dire que c'est une solution un peu un workaround, parce qu'en l'occurrence, pour ce problème, moi j'ai eu, mais il n'y a pas eu que moi, parce que quand même il n'y a pas que moi qui utilise Zabbix en mode enforcing sur SL Linux dans le monde, j'espère en tout cas. Donc il y a eu 2-3 reports sur Mozilla pour Redhat.com, avec une série de gens et qui ont essayé de voir où était effectivement le problème, parce que parfois c'était des gens qui utilisaient le package de Zabbix même, plutôt que celui qui venait de chez Apple, qui correspondait à des packaging guidelines évidemment de Fedora, ce que Zabbix ne faisait pas par exemple, ce genre de choses. Mais là, il y a quand même un souci dans la policy, donc c'est un bug dans la policy. Donc ça permet de contourner temporairement le bug qui devrait être corrigé dans la policy qui va arriver, et normalement ce bug, tout ce que j'en sais, va être corrigé dans la version 6.6. Ce n'était pas considéré critique par Red Hat Enterprise, pour la simple raison que ça bloquait un package qui ne venait pas de la Red Hat Enterprise, attention. Donc pour le moment, ce custom SDX Linux module, je le distribue, il est toujours managé par Puppet sur la machine CentOS. Dans la 6.6, bah, je vais le retirer parce qu'il sera corrigé par la policy par défaut. Donc comment faire pour distribuer? Très simple, file resource. En l'occurrence, je vais le distribuer ici dans local policies par exemple. Je vais d'abord vérifier que j'ai d'abord créé un directory. Et je vais donner mon fichier. Autre chose importante, c'est que Puppet a un resource type qui s'appelle SL module pour loader ou unloader les modules. Alors, par définition, quand vous faites un SL-manage pour faire la liste module, vous avez tous les modules par défaut qui existent dans les policies de base. C'est bien, sauf que nous, on vient d'en distribuer un autre. Alors, comment faire? On va simplement spécifier l'endroit où on a, nous, droppé le fichier de custom policies. Sinon, il va chercher par défaut sur le file system à l'endroit standard. Donc, on va lui dire simplement, non, vérifie que cette policy-là soit loadée à partir de là, et très important aussi, sync version true. Pourquoi ça, d'après vous? Très simple. Je dois modifier ma custom policy parce que j'ai fait le module ma custom policy en 1.0. Je dois la modifier, ou un de mes collègues, parce que j'ai laissé le TE dans le repository central, doit apporter une modification future, par exemple. Il va distribuer la 1.1, il va la compiler, il va la mettre sur notre Puppet masterd. Elle va se distribuer. Mais ceci fait en sorte que, évidemment, il va toujours vérifier que la version qu'il a en mémoire chargée correspond bien à celle qu'on vient de distribuer, tout simplement. Donc c'est magique, ça se fait tout seul. Merci Puppet. Même chose pour Ansible, sauf qu'on va utiliser un petit artifice. On va d'abord créer le repository où on va dropper tout le fichier policy. On va le distribuer. Donc là, j'ai utilisé, parce que c'était plus amusant, d'utiliser un with item pour ceux qui connaissent Ansible. Donc je vais distribuer deux policies, parce que c'est mieux pour Puppet, on en distribue deux. Très important, il n'a pas de module, Ansible n'a pas de module pour loader des modules SL Linux en mémoire, pour les gérer, les retirer, les unités, etc. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va utiliser la commande shell. Mais puisque le but d'un outil de configuration management, c'est de ne charger ou de m'exécuter des tâches que si j'ai besoin de le faire, les données lancées à chaque fois, mais tout simplement, je vais enregistrer simplement l'état. Donc, est-ce que ces fichiers existent, oui ou non? Est-ce que j'ai fait un update de ces fichiers? Parce qu'évidemment, un petit peu, on va utiliser du MD5 pour voir si c'est un fichier différent. Je vais enregistrer cela. Si une de ces deux policies a été modifiée, c'est stocké dans cette variable, en Ansible. Je vais la réutiliser tout simplement après pour dire, je vais la recharger. Alors c'est un petit peu compliqué, mais si vous connaissez le with item et le when, on combine les deux. On ne recharge que si une des deux a été rechangée sur le file system. C'est une manière de nouveau très simple d'utiliser un outil pour distribuer les custom SL Linux policies. Et je pense que à cette heure-ci, je devrais avoir terminé, donc on va dire que c'est la fin. Voilà. Sauf si vous avez des questions là-dessus. On va aller à cette heure-ci, et SL Linux, c'est trop compliqué, je crois. Je vais vous passer maintenant.
Bon, bah, en tout cas, merci alors.